tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir La course aux cailloux, une nouvelle policière de Francis Didelot, le concours Attention aux machines et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Rosena et Rosie Wart dans une nouvelle policière de Francis Didelot, La course aux cailloux. Entrez. Vous m'avez demandé, patron. Assieds-toi, Niel. J'ai du boulot pour toi. Tiens, écoute ce radio. Je viens de le recevoir. Renseignements formels, marchandises embarquées sur Val d'Aoste, destination Gênes, stop. Convoyeur inconnu, probablement personnel à bord ou clandestin, stop. Conseillant opéré avant Gênes, signé Sûreté Nationale Uruguay. Vu ? Ah bah si je comprends bien, il faut découvrir un type qui se rend dans la vallée d'Aoste pour convoyer... Ah bah ça y est, la drogue. Le Val d'Aoste est un paquebot des affréteurs réunis. Lignes d'Amérique du Sud, Buenos Aires, Montevideo, Rio, Pernambouc, Casa, Gênes, Marseille. Ah, bon voyage. La princesse te l'offre. À moi ? Oui, oui, à toi, Niel Joseph, inspecteur de deuxième classe. Ah, si tu décroches le cocotier, c'est la première classe assurée. Et déjà, tu y voyageras en premier. Eh ben... Oh, tu n'auras guère le temps de jouir de la traversée ni de cueillir les passagers essolés, Casanova. Au moins, tu n'as pas le mal de mer, non ? Oh, bah j'ai été ma taf. Un an sur le briscard, un sacré patouilleur qui roulait comme une barrique. Parfait. On va télégraphier au commandant du Val d'Aoste. Mais, patron, et qu'est-ce que c'est que... qu'est-ce que c'est que ce travail-là ? Je vous parie gourde, hein ? J'ai mieux que tu le paraisses et que tu ne le sois pas. Tu lis les journaux quelquefois ? Oh, oui. Tu te souviens du hold-up de Sao Paulo ? Le... Oui, le. 200 millions de cruzeiros. Fauchés en plein cœur de la ville. Rue... Ah, attends, à ça... Ah oui, un nom a attrapé le torticolis. Rue Barao de Itapetinga. Quelque chose comme la rue de la Paix, la rue Saint-Ferréol et la rue Sainte-Catherine réunies. Et là, à midi, trois hommes attaquent une banque, se font remettre un lot de pierres brutes, diamants et saphirs blancs, tout juste arrivés d'un placer de l'intérieur, et disparaissent. Ah oui, oh, ben, je me rappelle. Ben, ça a fait assez de bruit à l'époque. Ben, il y a trois mois. Exactement, le 4 septembre. Depuis, plus rien. Les voleurs se planquaient. Les cailloux n'avaient pas encore été photographiés, mensurés, fichés, enfin tout le Bataclan, quoi, lorsque les gants ont opéré. Ils ont probablement bénéficié d'une complicité, mais où, qui, comment, on n'en sait rien. Et c'est ça la marchandise embarquée sur le Val d'Aoste. Est-ce que tu es perspicace, sacré Niel. Mais dites donc, patron, votre radio est signée de la police d'Uruguay. Mais il semble que le lot ait pris la tangente, direction Montevideo, capitale de l'Uruguay. Oui. Mmh. Impossible de négocier sur place, trop dangereux. Receleur trop gourmand, alors on expédie vers l'Europe, par bateau, ce qui, pour nous, multiplie les difficultés. À chaque escale, le paquet peut filer. Ah, on tâchera de le dégoter, patron. Le message des Uruguayens nous dit « sans doute un membre du personnel ». Ouais. J'ai téléphoné aux affréteurs réunis. Le Val d'Aoste n'est pas un super paquebot, non, 330 hommes d'équipage. Ah. Et puis, il y a l'autre éventualité, passagers clandestins. Vois-tu, mon petit Niel, j'envisagerais volontiers la conjonction des deux hypothèses, oui.
Un clan D embarqué grâce à la complicité du personnel affecté aux passagers, steward, barman, cuistot, les femmes de chambre aussi. Ne néglige pas les musiciens, bien entendu. Ouais, tout le monde, quoi, patron. Et je pars quand? Dans une heure et demie, t'as un avion à Orly. Oh, c'est trop. Le temps de bourrer une valise, une voiture est alertée. On te conduira chez toi et de là, à l'avion. Ah oui, mais les papiers? Tout attend là-bas. Et je vais à Montevideo. Le Val d'Aoste est déjà parti. Il touchera Rio demain. Tu auras juste le temps de sauter de ton avion sur le bateau. Ah oui, une vraie croisière de plaisance. Ah, à Rio, tu rencontreras certainement quelqu'un de la police. Alors arrange-toi pour que ça ait lieu à terre. Sur le Val d'Aoste, tu es un passager. Ouais. Si tu mets la main sur quelque chose, on décidera si tu dois changer d'attitude. Bon. Alors, tous les deux soirs, tu te mets en liaison par phonie avec moi. Oui. Ton honneur est en jeu, mon petit Niel. Hey, compris. Promotion ou coup de pied au cul? Mais selon le cas, oui. Allez, maintenant, file. Hey, patron, si je mets la main sur le voleur, je fais un crâne? Oh, l'arrêter, ça dépendra. Tu m'expliqueras le coup et je te donnerai mon avis. De toute manière, le commandant sera là pour t'appuyer s'il le faut. Mais si je devais boucler le type? T'as demandé en blanc. Allez, sauve-toi. Bon, salut, patron. Et amuse-toi bien. Oh, ça... Seigneur, s'il vous plaît, passez par ici. Mais vos papiers ne sont pas en règle. Oh, je vous demande un peu. Je suis français. Mon consul interviendra. Venez par ici, seigneur. Nous vous expliquerons mieux. Inspecteur Orixa de la Sûreté brésilienne. Je vous attendais, seigneur inspecteur Niel. Excusez-moi, je devais jouer la comédie. Ah, j'ai vu, excellente, j'approuve. Vous savez, asseyez-vous. Un verre de cachaça, hein? C'est la boisson carioca par excellence. Merci. Et à quelle heure part le Val d'Aoste? Parce que l'avion a une heure de retard. Oh, nous avons le temps, monsieur, nous avons le temps. Le Val d'Aoste attendra. Vous aimez? Quoi, votre cachaça? Cachaça. Attendez. C'est redoutable. Vous trouvez? Il est un peu léger, celui-ci. Eh ben, dites, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre? Mais rien, monsieur. Je voulais seulement vous souhaiter la bienvenue à Rio, inspecteur Niel. Merci. Nous faisons grande confiance à la police française. Oui, et enfin, vous n'avez rien trouvé. Ici à Rio, tout ce que nous savons, c'est que les saphirs et les diamants, ils ont été volés. Mais vous n'avez pas pris contact avec Montevideo. Ils ont appris que les pierres, ils ont été confiées à un complice qui les portera en Europe, peut-être Marseille, mais plus probablement Gênes. De là, ils iraient en Hollande pour la taille et la vente. Vous voyez le circuit, monsieur? Oui, je vois. Et le complice, on ignore tout de lui. À Montevideo, ils soupçonnent un steward, un Italien qui était engagé sur le Val d'Aoste à Buenos Aires. Mmh. Comment s'appelle-t-il? Et Luigi Angelo. Il était sur le sable à Buenos Aires et il s'est arrangé pour embarquer. Nous l'avions arrêté ici il y a quelque temps. Vraiment? Et une bêtise, oui, il avait mis la main dans le portefeuille d'une autre personne sur le bondé. Le bondé? Comme vous dites, comme ça s'appelle, les tramways. Ah, oui. Tramways. Mais c'était le jour de carnaval et alors beaucoup de choses sont permises ce jour-là. Oui, oh là, je m'en doute. Bon, eh ben écoutez, il faut que je file. Hein. Ne m'accompagnez pas, inutile de nous faire remarquer. Oui, je prendrai un taxi. C'est loin. Et c'est l'aéroport de Galeão. Nous sommes bien 30 kilomètres. Du port. Ah, monsieur, j'aurais été si content de vous montrer Rio, l'avenida Rio Branco, les Corcovado, les Copacabana. Copacabana. Assez beau. Oui, ça sera pour une autre fois. Allô? L'inspecteur français sort d'ici. Oh non, il n'a pas très bon espoir de réussir. Ce serait désagréable pour notre honneur, oui. Oui. Pardonnez-moi mon insistance, commandant, mais il fallait que je vous parle sans perdre un instant. Apprêté pour un rendu, inspecteur. Excusez-moi si je ne vous ai pas reçu plus tôt. Il fallait d'abord sortir du port. Cela vous a donné l'occasion d'admirer la baie de Rio. Mais à vrai dire, je pensais surtout à ma mission. J'ai reçu des ordres à votre propos. Vous aidez au maximum. Vous possédez bien quelques indices. Zéro. Double zéro. Combien avez-vous de personnes à bord? Inspecteur, lorsque la police me pose ce genre de questions, j'entrevois un nuage d'ennui à l'horizon. Je préférerais une bonne grosse tempête. Enfin, allons-y.
300 hommes d'équipage, y compris le service des passagers. Oui. L'état-major, 20 personnes. Oui. 237 passagers de première. Oui. 502 en touristes. Eh ben, vous et moi en moins, 1068 au total. Une paille. Vous ne pouvez pas choisir un autre bateau que le Val d'Aoste. Vous a-t-on parlé de Luigi Angelo, le nouveau steward? Ce garçon que nous avons embarqué à Buenos Aires, oui, on l'a signalé, mais sans plus. Est-ce l'habitude d'engager quelqu'un en cours de voyage? En principe, non, mais nous sommes partis avec des manquants. Et dites-moi, peut-on l'affecter à ma cabine? Sans qu'il le remarque, bien sûr. Je vais donner des ordres nécessaires, on changera Angelo de service s'il le faut. Autre chose? Ah oui, pour tout le monde, je suis dans les affaires. Import-export, ça couvre tout. Maintenant, commandant, voici le plus difficile. Allez-y, je m'attends à tout. Mais il me faudrait un motif pour réunir le maximum de personnes sur le pont, passagers et équipage, en leur donnant le sentiment que... je sais pas comment vous dire... qu'on va couler dans 5 minutes. Oh, charmant. Ce n'est qu'une impression que je vous demande. Oh, c'est heureux, de vous à moi, j'aurais refusé. Mais non, vous ne saisissez pas, commandant. Au contraire, vous souhaitez tout bonnement une bonne petite panique maison. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi dans l'avion en venant de France. Mais tant pis. Si l'homme qui emporte les cailloux se voyait soudain dans une situation inquiétante, un naufrage, un incendie par exemple, il essaierait de fuir, mais avec le butin. À moi de le repérer. Voilà. Voilà. Merci, seigneur. Vous avez été si gentilhomme de rester avec moi pendant cet exercice. Oh. Qu'il y avait peur, comme si c'était véridique. Et que vous m'avez tenu ma briefcase. Ah, mais j'appelle ça une mallette, moi. Mais qu'est-ce que ça fait pour lui que ce soit pratique? S'il y a une phrase, par la mer du ciel que ça n'arrive pas. J'emporte là-dedans tout ce que j'ai de précieux. Oh, je l'aurais parié. Mais c'est pas très prudent de conserver tout ça. Pourquoi vous laissez pas vos valeurs dans le coffre du bord? Et si le bateau, il coule? J'irai toute nous, alors, sans un collier, sans une bague, sans rien. Et vous n'avez pas peur des voleurs? Oh, ils essaient de me défendre, seigneur. De toute manière, ils préfèrent mourir avec mes bisous. Oh, vous êtes trop jolie, madame, pour mourir. Puis-je vous demander votre nom? Doña Teresa de Bolpedra. Je m'appelle Niel. Joseph Niel. Ah. Je suis dans les affaires. Et moi, je voyage. Pour oublier qu'il était si malheureuse dans mon mariage. Ah. Alors j'ai pensé qu'un grand voyage, ça me changerait les idées. Oh, vous avez raison. Vous viendrez à Paris, n'est-ce pas? Bien sûr, les Champs-Élysées, Christian Dior, Van Cleef, Chanel, Carita, tout. Vous connaissez tout ça, vous, seigneur? Oh là, enfin oui, quoi que je n'ai pas l'occasion de tout fréquenter, n'est-ce pas? Et vous faites quelles affaires? Les cinémas? Les bijoux, oui, oui. Vous pourrez peut-être me montrer les vôtres. Oui, un jour, oui. Oh, mon Dieu! Quoi? Mon Dieu, vous avez vu le visage de ce steward? Per favore, signora. Oui. Excusez, madame. Oui. Oh, vous avez remarqué comment il a regardé mon briefcase? Il a une tête qui fait peur. On devrait s'en débarrasser tout de suite. En le jetant au requin. Entrez. Monsieur Assoné? Oui, Angelo. C'est bien votre nom? Oui, monsieur. Et vous ai-je déjà vu, Angelo? Je ne sais pas, monsieur. Monsieur voyage beaucoup? Assez, oui. Vous n'êtes pas un steward de métier? Je ne pouvais pas rester en Argentine. Pourquoi? Pour une histoire idiote avec une fille. Si j'étais resté, on m'aurait fait la peau. Mais vous n'étiez pas à Rio il y a quelque temps? À Rio? Non, monsieur. Mais quel est votre métier? Le vrai? Je voyage. Pour quelle maison? À mon compte. La drogue? Oh, non, monsieur, je vous jure. Autrefois, ça m'est arrivé, mais plus maintenant. Oh, ça m'a coûté trop cher. Mais c'est pas la peine de vous troubler. Je vous ai posé quelques questions comme ça, parce qu'il me semblait vous reconnaître. Si, si. Est-ce que vous ne me laisseriez pas vous accompagner jusqu'à votre cabine et jeter un coup d'œil? Pour tout ce que vous voudrez, je n'ai rien à me reprocher. Vous avez des amis à bord? Non, personne. Je ne suis pas de l'air. On me tient à bout des gaffes. Vous allez à Gênes? Oui, si on me laisse rentrer. Je pourrais vous faciliter les choses, mais à Marseille. Ah, si vous faisiez ça, monsieur... Précisément, j'ai besoin de quelqu'un qui ait les yeux ouverts et les oreilles aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Repérez tout ce qui peut vous paraître bizarre dans l'attitude des passagers et à qui ils parlent. Et si l'un d'eux évite de se montrer, enfin, etc., etc. Et puis, il y aurait un clandestin à bord. J'aimerais lui dire deux mots. Ah, des messages de vous les dégoter, monsieur. Alors, c'est d'accord pour Marseille, hein? Comptez sur moi. Vous êtes de la maison? Je suis dans les affaires, les pierres précieuses. Ça t'intéresse? Non, c'est pas mon genre. Allez, file, et évite de bavarder, si, hein? Si. Allô, patron, vous m'entendez? Oui, vas-y, quelle nouvelle? J'ai coincé le steward, Luigi Angelo. Vous verrez au sommier, patron. La drogue, autrefois. La traite des blanches, maintenant. Mais il a des ennuis et je l'ai mis en piste. Oui, en dehors de ça? Deux ou trois suspects. Je vérifie. Je m'arrangerai pour visiter leur carré. Ah, une femme aussi, une brésilienne. Oui, et son nom? Teresa de Bolpedra. Elle ne lâche pas sa cassette à bijoux. Jolie, mais un peu folingue. Quant au clandestin, pas pu encore mettre la main dessus. Mais trouve-le, c'est indispensable. Bonsoir. Hein? Oh, je vous avais pas vu dans ce noir. Il fait bon ici, tout en haut, sur le dernier pont. Vous m'avez entendu? Bien sûr, puisque je vous parle. Non, avant, quand vous étiez toute seule étendue sur votre transat. Oh, vous êtes amusant. On dirait que je vous fais peur. Non, asseyez-vous là, tenez, sur les pieds de mon transat. Oui, j'étais au poste de radio. La radio? Oh, vous avez donc envie de parler avec le monde, les autres? On est si bien en plein océan. Comme si tout était transé, repoussé pour toujours loin de soi. Ah, il est le monde. Vous devez me trouver un peu folle, n'est-ce pas? Oh, mais non, pas du tout. Oh, vous êtes très jolie. Oh, on peut être jolie et folle. Prenez ma main. Oui. J'ai froid. Oh, ben c'est vrai, vos doigts sont glacés. Pourquoi rester là, vous tremblez? Prenez-moi dans vos bras. Oh, madame, Vous n'aimez pas mon nom? Peut-être ne vous en souvenez-vous pas, hein? Teresa. Oh, c'est bien ça. C'est bien, serrez-moi fort. Non, ne me lassez pas, surtout. Je suis si bien. Joseph. Oui. Je ne savais pas pourquoi mes pas me conduisaient sur le pont supérieur, à l'écart de tous. J'écoutais la musique de l'orchestre au loin. Je sentais le bateau frémir. Et quelque chose me criait qu'un grand bonheur se préparait pour moi. Ah, Joseph. Teresa. Oh, tu dis bien mon nom. Oh, Tu dois me mépriser, hein? Quelle est donc cette femme qui se sait comme ça à mon cou? Oh. Mais je ne suis pas cela. Il faut me croire, Joseph. Jamais à personne je n'ai appartenu. Oh, sauf, bien sûr, à monsieur de Bolpedras, cette brute que je déteste. Mais toi, tu es beau et doux. Un Français. Vous ne me connaissez pas, Teresa. Tu ne vas pas me tutoyer? Oh, mais je vais vous compromettre. Oh, nous sommes seuls. Tu ne peux me compromettre qu'à mes propres oreilles. Ah, je sens maintenant. En France, nous ne nous quitterons pas. Hein? J'espère. Quoi? Déjà? Ah, bah, vous savez, c'est que mes occupations, mes travaux, je me demande si je pourrais... Tu pourras! Au besoin, j'irai voir ceux avec qui tu travailles. Tu veux que je t'en vende, moi, des bisous? Vous? Tu aurais des bijoux à me vendre? Cher petit Français, que tu as l'esprit compliqué. Je veux dire que je me chargerai de vendre à ta place. Je m'y connais en bisous, moi. Ah, mais non, au fait, ta mallette, ton briefcase, tu l'as déposé dans le coffre du bord? Quand il dit non, c'est non. Je le garde, mais je le cache bien. Où? Tu n'as pas le droit de savoir. Pas encore, non. Tu t'intéresses beaucoup à mes bisous, Joseph. Est-ce que... Hein? Ah non. Non, tu n'as pas le genre. Alors pourquoi? Joseph, tu es beau garçon, mais tu mens. Moi, madame? Oh, Teresa. Quelle est la différence entre le corindon et le péridot?
Oh, ben, si tu parles portugais... Menteur, triple menteur. Je t'adore, tiens. Tu mens comme un homme, avec le nez qui s'épouvante. Oh. Le corindon, c'est une pierre précieuse, grand imbécile. Quelque chose comme un saphir. Ah. Et le péridot, c'est un genre de corindon qui tire sur le verre. Ne dis plus maintenant que tu vends des bisous. Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu es souteneur. Et tu reviens de placer des dames à Rio. Oh, mais vous êtes folle. Oh, tu me tutoies plus. Allô, patron. La femme n'y est pour rien. Vous savez, madame Polpedra, mais j'ai visité sa mallette. Des bijoux, mais tout monté, broches, colliers et tutti quanti. Oh, pas mal de toc même dedans, je crois. Je me fous de ta bonne femme. Je veux que tu déniches le clandestin. Débrouille-toi, bon Dieu. C'est pas la mer à boire que de visiter un bateau, non? Bon. Bon sang de pétard de sort. Ah, je voudrais l'y voir, le patron. Dénicher un clandestin. Où ça? Si les gens du bord l'ont pas trouvé, comment moi pourrais-je? Ah, peut-être que Thérésa pourrait m'aider. Elle est jolie. Très jolie. Mon petit Niel, t'as une sacrée touche dans ce coin-là. Hein? On a marché dans la coursive. Oh, c'est elle, sûrement. Oh, et puis, zut pour l'enquête. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Laissez-moi entrer, vite, qu'on ne me voit pas. Mais qu'est-ce que tu veux, Angelo? Les types que vous censez, monsieur le commissaire. Ouais. Je sais où il est. Planqué dans une cabine où tout le monde, il croit qu'il n'y a personne. Quelle cabine? Et 77. Et pourquoi te caches-tu, toi? Tu as peur? Et je crois qu'on me surveille, comme si on s'est douté que je suis votre lieutenant. Mon lieutenant... comment est-il monté à bord? Je ne sais pas, monsieur le commissaire. Et ça tient toujours, hein, pour Marseille. Oui, bien entendu. Vous attendez quelqu'un, monsieur? Ne bouge pas. Qui est là? Oh, excusez-moi, seigneur, je ne savais pas. J'avais soif. Deux scotch, Angelo, oui. Au lieu d'un... Si, tout de suite, monsieur, tout de suite. Joseph, surtout ne me dis pas que je t'ai compromis. Mais je ne dis rien. Je ne pouvais dormir et... Et tu es venu chercher le sommeil dans ma cabine. Voilà, ça t'ennuie. Oh, non, bien sûr, mais j'ai... Mais... J'avais une course urgente. Tu avais un rendez-vous, toi? Je veux savoir. Dis-moi son nom que j'aille lui arracher les cheveux. Oh. Lui crever les yeux à cette... Oh, mais ne t'emballe pas. Il s'agit du commandant. Oh. Oui, je te l'ai pas encore dit. Je te l'avais pourtant promis. Je recherche des pierres précieuses volées à Rio par des gangsters, voilà. Et il est possible que j'ai mis la main dessus. Un détective. Oh, c'est merveilleux. Ah, oh, je t'adore, mon Joseph. Va vite. Et quand tu reviendras, tu me raconteras tout, tout, hein? Je peux rester, n'est-ce pas? D'accord. Embrasse-moi. Oh. Oh, allez, va vite. Cabine 77, vous avez dit. Oui, commandant. Allons-y, l'Artegui, accompagnez-nous. Dites, vous êtes armé? Pour un clandestin? Ah, oh, bah, à votre aise. Moi, j'ai ce qu'il faut. Voilà la 77. Voilà, c'est fermé au verrou. Ouvrez, sinon je vais défoncer la porte. Les pattes en l'air. Voilà, Seigneur. Mais ne me faites pas de mal. Tenez-vous tranquille. L'Artegui, rejoignez la passerelle. Vous, inspecteur. Je reste là. Ah, on tient tout de même, mon gars. Tu m'as assez fait courir. Mais je vous jure, je n'ai pas fait de dégâts. Regardez les couvertures, les draps, je n'ai rien animé, rien sali. Ça va. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Joachim Aldado. Je voulais aller au Portugal, il n'y avait pas d'argent. Ma mère, elle habite Porto, elle est malade. Ouais. Oh, tu me fais pleurer. Allez, bouge pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans mes poches? Il n'y a rien. Un pistolet, mais il n'y a pas de pistolet. On voudrait seulement les cailloux. Mais quel cailloux? J'inspecte la cabine, commandant. Pendant ce temps-là, vous pourriez le cuisiner un peu. Oh, bah, je n'ai guère de disposition, enfin. Aldado, qui vous a amené à bord? Je me suis faufilé comme ça. Ouais, tout seul. Il y avait un peu d'espoir. Mais personne ne vous a aidé? Non. Et pour vous nourrir? Il y avait emporté des provisions. Ouais, hein? Et par exemple, ce demi-poulet qui a été rôti d'aujourd'hui, hein?
tâche de pas de foutre de nous. Alors, vous m'avez chargé de la cuisine, inspecteur. Vous, Joaquim Maldado, vous êtes brésilien. Portugais. Votre métier? Je suis un somaz. Ouais. Et avant? Bah, un peu de tout. La vie est dure, Rio. Ouais. Condamné? Si. Pourquoi? Pour vivre. Vous êtes échappé du bagne? Non, seigneur commandant. Ouais. Des petites choses seulement. Ça ne mène pas loin, mais après, on est brûlé partout. Allez, papier. Voilà. Alors, inspecteur? Oh, rien. Mais donc, je t'ai entendu, toi, hein? Ces petites choses, ça serait pas dans le genre hold-up? Non, seigneur. Je parie que tu n'as même pas entendu parler du vol des 200 millions. Mais je crois, mais je me souviens plus. Et que tu ne te rappelles pas davantage le nom du gars qui t'a ravitaillé ici, non? Hein? T'as la mémoire courte. Ouais, inutile de s'attarder, inspecteur, je vais le faire mettre dans la cellule de sûreté et nous télégraphierons. Vous, Aldado, réfléchissez. Je veux connaître le nom de vos complices à bord. Qu'est-ce que vous faites, inspecteur? Hey, je lui mets des bracelets. Toujours, alors? Ah, c'est pour t'empêcher de sauter à l'eau, fils. Je veux que tu la revoies, ta mère. Allons, je vous montre le chemin. Mon Dieu, madame de Volpedra, seriez-vous souffrante? Non, non. Non, ce n'est rien, commandant. Excusez-moi. Pardon, seigneur Niel. Mais faites, seigneurat, je vous en prie. Eh bien, inspecteur, vous l'avez trouvé, votre clandestin. Vous voilà satisfait, je suppose. Commandant, expliquez-moi par quel prodige vos officiers ne l'avaient pas découvert. Bon, un complice, sans doute, aurait dit notre homme à se planquer ici ou là. Et les diamants, inspecteur? Avez-vous une idée? Peut-être le complice, justement. Eh bien, j'en ai une autre à vous fournir. Pas possible. Auriez-vous une explication pour justifier la présence de la señora de Volpedra dans une coursive où elle n'avait rien à faire et à cette heure-ci? Bon, elle s'est peut-être trompée. Ne me faites pas croire que vous manquez de sens critique, inspecteur. La señora était en peignoir. Sa cabine est à tribord et à l'autre bout. Je vois pas. Seriez-vous aveugle, inspecteur? Ou bien... Oh, commandant, je connais mon devoir. Je n'en doute pas, mais la señora est fort appétissante, surtout en déshabillé. Commandant! Voyez-vous, inspecteur, j'ai l'habitude de ces sortes de rencontres nocturnes. En mer, les passagers paraissent atteints de bougeottes. Comme si le voyage ne leur suffisait pas, il leur faut arpenter les coursives. Ça les amène fréquemment à se tromper de cabine. Bizarre, hein? Bon, on en prend assez vite son parti, il en y fait à peine attention. Juste assez pour remarquer l'attitude de la personne. Vous me comprenez? Non. Non, madame de Volpedra semblait embarrassée. Erreur, mon cher inspecteur, elle a été surprise. Et jusqu'à l'inquiétude, si vous voulez m'en croire. Pourquoi? Pas du tout pour ce que vous supposez. Bon. La señora de Volpedra connaît Joaquim Aldado. Quoi? Le clandestin, parfaitement. Sans doute étiez-vous séduit par cette ravissante apparition. Moi, je me suis surtout intéressé aux yeux de notre belle passagère. En constatant que nous tenions Aldado, elle a été prise de panique. Elle regardait notre homme de façon fort éloquente. Allez, ne parle pas, semblait-elle lui dire. Oh, j'ai rien vu de tout ça, moi. Ah, pourtant, ça expliquerait bien des choses. Bon, maintenant, peut-être me suis-je trompé, mais... Oui, enfin, de toute manière, je dois vérifier vos soupçons, commandant. Ouais, mais comment, hein? Je pourrais inviter madame de Volpedra sur la passerelle et l'y retenir un moment. À vous de fouiller sa cabine pendant ce temps-là. Demain matin alors. Mais d'ici là... Bon, inspecteur, je vous fais confiance. Enfin, te voici, Joseph. Il m'a demandé si tu allais revenir. Ça a été plus long que je ne pensais. Oh, ça ne fait rien, tu es là. Alors, tu as arrêté le voleur? Je pense. Et il s'est défendu? Un peu. Non, à peine. Tu as trouvé les bijoux? Pas encore. Oh, il les a bien cachés. Oh, tu le feras avouer, hein? Vous avez tant de moyens. Le sérum, l'électricité... Oh, on exagère beaucoup, Teresa. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu étais la lumière. Oh, Joseph. Mon Joseph. Et ça, commandant, à quoi ça sert? C'est le transmetteur d'ordre, madame. Ça s'appelle Shadburn. Ah, il peut? Ah, surtout pas. Vous les affoleriez en bas à la machine. Sauf incident, on ne s'en sert pas en pleine mer. Oh, c'est malheureux. Et la roue, là, je peux la tenir? Pas toute seule, en tout cas. Gravesen, écartez-vous un peu. Mais tenez le cap. Bien, commandant. Oh, tout le monde vous obéit ici. Vous êtes tout puissant. Après Dieu, madame. Ah,
Vous étiez là, señora. Oui, le commandant m'a tout montré. Vous avez beaucoup perdu. Vous croyez? Mais qu'est-ce que vous avez? Voulez-vous passer dans la cabine du commandant, s'il vous plaît? Je vous suis. Commandant, c'est vous qui aviez raison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es... Vous êtes fou. Par ici. Allô, patron? Je les ai. Les cailloux, raconte. Bah, c'est-à-dire que j'ai pas encore mis la main sur tout le lot, mais j'en ai découvert un. Une pierre brute. Oh, un vrai coup de peau. Alors explique-toi. La femme dont je vous ai parlé, celle à la mallette. Eh bien, pour moi, elle était suspecte dès le début. Alors, je me suis arrangé pour la pister, sans négliger le reste, bien sûr, puisqu'on a chopé le clandestin. Ouais. J'ai pensé qu'elle était en cheville avec lui. Presse-toi, presse-toi. J'ai donc visité la cabine de la dame en son absence. Et j'ai déniché le caillou, enveloppé dans un papier de soie et dans une boîte à médicaments vides. Tu as emballé la femme? Ah, j'attendais vos ordres, patron. Je lui signifie un mandat. Si tu peux l'éviter, ce serait préférable. Si elle t'y oblige, vas-y, questionne-la. Tâche d'en savoir le plus possible. Méfie-toi de tout le monde. Assure le service toi-même. Pas de steward, pas de contact avec l'extérieur, rien. Surtout aux escales. Je t'attendrai à l'arrivée. Bien, patron. Niel ne fait pas l'idiot, hein. Elle est jolie. Oh, plutôt. Oui, bah alors à plus forte raison. Je te connais, hein, Niel. Bien, patron. Tu es un odieux, Joseph. On me l'a déjà dit, mais je continue. Croyez que ça m'amuse, moi, de vous arrêter? Mais alors, relâche-moi. Dites-moi où sont les pierres et je m'arrangerai pour adoucir votre détention. Les pierres? Tu n'as que ce mot à la bouche. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de tes pierres? Je les ai jamais vues, moi. Je ne suis pas une voleuse, tu le sais bien, Joseph. Oh, oh, j'ai envie de te tuer, parfois. Vous connaissez Joaquim Maldado. Dans vos bagages, j'ai découvert ce diamant brut. Il y a de quoi vous arrêter, non? Teresa, un bon mouvement. À vous. Oh, tu m'agaces, tu m'agaces. Avouez quoi? Ces diamants, on me l'a donné, là. Qui? Si je te le dis, vous allez encore l'empoisonner. Pauvre garçon, il est si gentil. Il ne peut pas être coupable. Et puis, il est député. En France? Comme si un député français offrait un diamant brut à une dame. Ah, Joseph, tu n'es pas un idiot. Ah, tu es un imbécile. On n'arrête pas une personne avec qui on a passé la nuit, là. Ça ne se fait pas. J'en suis le premier puni. Ah, cette vierge, que les hommes sont bêtes. Tu ne vas pas me relâcher? Non. Bon. Allez, ne te fatigue pas. J'ai courir le bruit que t'étais devenue folle. Ah, c'est triste. Une aussi jolie fille. Allez, je te laisse. Ah, vendu, bandit, canaille. Saborneur. Doña Teresa de Paul Pedra, j'ai envoyé votre signalement aux trois polices. Rio, Montevideo, Buenos Aires. Vous avez encore 5 jours pour réfléchir. 5 jours avant Marseille. Oh. Asseyez-vous, madame. Qui êtes-vous, vous? Commissaire Lallier. Ah, si vous ressemblez au seigneur Neldi, je vous déteste d'avance. Mais faire traverser Marseille comme un gibier de prison en compagnie de ce Joachim. Ah, quelle honte. Vous avez fini, oui? Il commence. Et ces journalistes qui m'ont questionné, moi, Teresa de Bolpedra qui descend... De l'escalier, ne vous fatiguez pas les cordes vocales, j'ai reçu les renseignements de Rio. Dernière condamnation, 3 ans. C'est vrai, patron? Oui, c'est vrai. Et après? Si je veux refaire ma vie... Avec les 200 millions. Et si c'est pour rien, je vous répète. Vous êtes têtu dans la police. Parce qu'une malheureuse fille a commis une erreur. Toute sa vie, elle devra payer. Je veux un avocat. Allô? Oui, commissaire Lallier, à l'appareil, oui? Oui. Comment? Quoi? Vous êtes certain? C'est impossible. Ah, la dépêche est catégorique. Bien, bien, bien. Bien, monsieur le directeur, oui. Oui, tout de suite, évidemment, évidemment. Oui, je le lui dirai. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir. Je veux un avocat, vous entendez? Inutile. Quoi? Vous êtes libre. Mais qu'est-ce? Ça a l'air de vous ennuyer. Vous réclamez votre liberté, on vous la donne. Que voulez-vous de plus? C'est une honte. Vraiment? Vous n'avez même pas été arrêté. Pas arrêté.
que votre Joseph m'a bouclé dans la cabine. Défense de sortir. Défense de voir personne que sa vilaine tête de singe. Que c'était lui-même qui me portait à manger. Et je n'ai pas été arrêté. Niel, tu as signifié un mandat à madame? Jamais. Eh bien, c'est parfait. On vous a entendu comme témoin, c'est tout. Ça arrive tous les jours. Allez-vous-en, Teresa de Bolpedra. Alors, je ne suis plus coupable. Vous ne l'avez jamais été. Mon diamant. Au fait, c'est vrai. Dis donc, Niel, rends-le-lui. Ah oui. Voici. Je ne vous dis pas merci. Bon, on s'en fout. Il vaut des excuses. Sans blague. Zigzize. Niel, fais-lui des excuses. C'est la moindre des choses quand on est galant homme. Excusez-moi. Moufle. Moufle. Gouza. Elle est un peu énervée, je la comprends. Mais moi, je comprends pas, patron. On vient de recevoir un message de la haie. Tout le paquet a été vendu, revendu, et les diamants, adieu. Non. Mais si. Pendant que nous avions les yeux fixés sur le Val d'Aoste, ta Teresa et ton Joachim Aldado, les diamants prenaient l'avion et la bande opérait en toute tranquillité ses négociations. Mince. Eh ben, je m'en souviendrai de ce voyage. Le directeur m'a chargé de te dire qu'il te considérait comme... Oh, et puis à quoi bon? Ouais, elle m'a déjà traité de tête de singe. De vilaine tête de singe. Oh. Allô? Allô, la haie? C'est toi, Yoaho? Qui parle? Teresa. Alors? Ça y est, je suis libre. Magnifique. Verdado. Libre aussi, oh! C'est une chance que j'ai repéré ce Joseph dès le départ. Après, ça a été un billard de nous rendre suspects, Aldado, Luigi et moi. Mais toi, Yoaho? Tout est réglé. Tout? Absolument tout, oui. Vendu et encaissé. Dis à Aldado de filer à Rome retrouver Luigi. Et toi, prends l'avion pour venir me rejoindre. À la haie? Non, non, à Paris. À Paris? Bien entendu. La belle vie, Teresa. Oh, la belle vie. Oh, tu es un grand homme, mon amour. Ah. Au fond, il n'a pas été désagréable, ce voyage. Mais ça, Yoaho n'a pas besoin de le savoir. La course au caillou, nouvelle policière de Francis Didlot, avait pour interprète Fernand Rosena dans le rôle de l'inspecteur Niel, Rosie Wart dans le rôle de Teresa, Jacques Amirand, le commandant, Guy Lecomble, le commissaire, Gaëtan Genre, Henri Virlogeux, André Vasselet et Pierre Delbon. Bruitage, Gabriel de Rivage, prise de son, Noël Barbet.